Yo les trashers, aujourd'hui un nouveau trailer a vu le jour sur internet et a confirmé les screens du Kurokuro en plus de nous présenter un nouveau Pokémon. En ce moment les nouvelles affluent et ce n'est pas pour déplaire à tous les Pokéfans. Commençons par Crabagar qui est un crabe boxeur de type combat pur. Il aura soit le talent Hyper Cutter, soit Point de Fer et ressemble vaguement à Elvis qui se serait mis à la boxe. Nous avons également la présentation de Bakabou qui est le nom français du Pokémon pâté de sable qui aura le type spectre sol avec le talent sable mouillé, il évoluera en trépas sable. Leur talent est une excellente alternative à tous les Pokémon eau présentés jusqu'à présent étant donné que s'il se prend une attaque eau, et bien sa défense augmente de 2. Nous avons également eu le droit à la présentation de Nounourson qui... Attends deux secondes, repasse. Oh c'est trop mignon! Il possède les mêmes talents que Chelours, son évolution, mais il est beaucoup plus mignon, celui-là 100% je ne le ferai pas évoluer. Un nouveau Pokémon a également été présenté à la Gamescom, il s'agit d'un Pokémon de type Feu Dragon qui ressemble beaucoup à un Kappa. Bumata, c'est son nom, possède le talent Coq Armure qui a l'air extrêmement puissant étant donné qu'il empêche les coups critiques infligés aux Pokémon. De plus, il a le droit à une attaque signature nommée Carapiège. Le Pokémon pose un piège au début du tour et s'il est touché par du physique, alors le piège s'active et cause de gros dégâts à l'adversaire, ce qui donne un nouvel intérêt à l'anticipation dans la stratégie. Peut-être un Pokémon utilisable, mais bon, qui sait, si ça se trouve il va être super lent, dégueulasse, il va être dans le Never Used, on ne sait pas. De plus en plus de Pokémon sont présentés chaque jour et nous arrivons bientôt à un Pokédex complet. Quel est votre avis pour le moment sur les nouveaux Pokémon présentés? Personnellement, je trouve plutôt cool cette 7ème génération, a l'air stylée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash pour plus d'informations qui, je suis sûr, ne tarderont pas à arriver. Faites-nous également un petit coucou sur les réseaux sociaux, moi je vous dis à la prochaine, ciao!